Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je suis désolée, j'ai commencé, je n'avais pas vu que j'avais encore oublié le micro. Ça va venir, mais heureusement, je n'ai pesé donc qu'une partie de mon aloe vera. Je continue. Ce soir, nous nous retrouvons donc pour un gommage doux pour le visage à la poudre de prune et à l'huile de papaye, dont ma base est donc ce fameux gel d'aloe vera. Que je viens donc de peser. À cela, je vais ajouter mon huile de papaye. Alors, je suis désolée, je n'ai plus de gants. Du coup, je me suis bien lavé les mains et ce que je fais, c'est que je viens me mettre de l'alcool et je frotte. Donc, mon huile de papaye est ajoutée. Je vais rapidement l'incorporer. Donc, à ça, je viens ajouter la poudre de prune. Donc, celui-là me vient de chez Jolie Essence. Il y a deux types. Donc, il y a la poudre fine comme celle-ci qui est spéciale visage. Et vous avez également la poudre un petit peu plus épaisse qui, elle, est spéciale corps. Donc, j'utilise bien sûr pour cette recette la spéciale visage. Donc, j'ai respecté les quantités données sur le site internet pour le pourcentage. Faut que ce soit gommant, mais pas abrasif. Et si vous surdosez votre exfoliant, c'est ce qui va arriver. Hop, donc une fois que ça s'est ajouté, je viens doucement l'incorporer et ensuite j'irai énergiquement. Mais là, il faut quand même éviter de fabriquer des grumeaux, sinon ça va vous gêner dans votre peau. Je viens ajouter le Cosgar pour la conservation de ce gommage. Je vais le donner en petit pot et avec, je donnerai une petite raclette pour que ma tante puisse se servir sans mettre les doigts à l'intérieur. Donc, comme d'habitude, mon pot est lavé, désinfecté. Je prends une petite raclette. Je repasse un coup à l'intérieur pour m'assurer que rien n'est resté collé contre les parois et je verse. Ça nous fait un petit 30 millilitres dans un pot de 50, puisque je n'avais plus de 30 de disponibles. Voilà, ben, j'espère que ce genre de recette peut vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt!